Je vais vous lire le début de mon conte oriental, Les sept voyages d'Ali, l'homme tapis, paru l'année dernière, à la tête à l'envers. C'était il y a longtemps, dans les Balkans, et je courais encore à quatre pattes avec les chiens, quand mon père, sous son turban de paysan, mon père, ce rêveur éternel, mon père, jura qu'il était temps, oui, grand temps, de vivre ottoman. Ottoman ! Ma mère cria, ma mère hurla, mais de ces cris, de ces mille cris ziganes de ma mère, mon père tirant la plus extravagante énergie, voilà notre ferme, démontée, désossée, mise en sac, sacoche, coffre, cage, couffin, sans oublier les ballots, les innombrables ballots. Nous voilà, nous, mon père, ma mère, mes six sœurs, les moutons, les pigeons, les chiens et moi, Ali. Un an, ficelé, agrippé, à la toison noire et bouclée de ma chère Zia, la brebis de tête du troupeau. Oui, nous voilà troupeau, troupeau sur les routes poussiéreuses du Balkan, troupeau entrant en l'Empire ottoman. Et nous voilà enfin devant Andrinople. Andrinople, la superbe. À Andrinople, je vivrai 14 ans, perdant prépuce, gagnant turban, étudiant, calligraphiant les rudiments du Coran, poursuivant papillon, chimère et ma sœur, Lila. Mais par-dessus tout, chevauchant hasard. Le cheval blanc que j'aimais tant. Me préparant sans y songer à devenir bon musulman, honnête calligraphe, quand un regard noir, perçant, inexorable de ma sœur Lila en décidera tout autrement. Sur les quatre pattes de hasard, dans la nuit je file, sur les blanches pattes de hasard, sous la lune, je fiche le camp de l'Empire ottoman.